Oh, le pilote automatique, mais quelle magnifique invention! Da, capitaine! Si tu veux être aussi balèze que moi, t'en as au moins pour 10 ans comme ça. Va t'acheter des muscles. Bigorneau le matin, le midi, le soir, j'en ai jusque là des bigorneaux. Je rêve de faire un vrai repas. Je rêve de chair humaine. Non. Martine, regarde, il y a un cargo qui vient droit sur nous. Je te préviens, je me réserve les dodus. Il faut trouver un moyen de monter à bord sans éveiller les soupçons. Comme d'habitude, on sait comment faut faire pour appâter les loups de mer. Ah, comme d'habitude. Ça devrait marcher. On a dû heurter un iceberg. Hein? C'est une île! Avec des déesses dessus. Vous pouvez nous déposer à Acapulco, on a fait naufrage. J'allais vous le proposer, demoiselle. Mais qu'est-ce que c'est que ces nouveaux membres d'équipage? J'ai l'impression qu'ils sont en train de prendre des nouveaux membres d'équipage. Ouah! La peau bizarre qu'elle avait, celle-là, comme toi, presque. C'est pas bien net tout ça, ça cache quelque chose. L'équipage et moi-même sommes à votre entière disposition, mesdames. La grosse crie avec des herbes, qu'est-ce que t'en dis? Je vais préparer vos chambres, celles à côté de la mienne. Bon, on n'avait pas dit qu'on allait à Acapulco. Mais bien sûr, vos désirs sont des ordres. Non. Oh, voilà un joli morceau. Faudrait faire quelque chose pour ta peau. Je peux te prêter ma crème pour les mycoses, elle est très bien. Tu verras, tu seras aussi douce que de la soie. Hein? Vous croyez? Crête pas, rien de mieux pour la santé. Et que de la viande, hein, que du muscle. Je travaille à la force de mes biceps. Comme une esclave, j'ai pas une minute pour m'occuper de moi. Oh la pauvre, c'est ballot. Oula, j'ai les nageoires qui ressortent. Toi, reste bronzée, on revient. Wow, t'as vu ses oreilles? Jamais vu des oreilles aussi moches. Et voilà, votre chambre est prête. Je vous en prie, entrez. Si vous voulez, je peux faire les bulles dans votre jacuzzi. Plus tard, d'accord? Rapido, c'est pas des humains, c'est des poissons. Hein? Vite, la fenêtre! Oh mon Dieu, elles sont horribles! Elles sont mortelles, tu veux dire. Ça s'appelle des sirènes. Aujourd'hui est un grand jour. Du papier A4 rose? Mauve, mauve, mauve! Mais bon sang, quand est-ce que t'apprendras tes couleurs? J'en ai marre que tu te trompes tout le temps! Ce que je voulais te dire à propos de ces sirènes, c'est que si j'arrive à percer leur secret de beauté, je serai fort, grand et mince, enfin! Je serai aussi fort que toi, enfin, beaucoup plus fort que toi! Parce que regarde-toi, franchement, physiquement, ça va pas! C'était rose, je suis désolé, c'était rose, je connais mes couleurs, ma veste est bien jaune. Hein? La chambre est pas mal, tu trouves pas? Mais avec tous ces humains à bord, être encore au régime bigorneau. Ils ont un vrai goût de banane, t'aimes pas? Rase aussi beau que moi, jamais de la vie. Un cheveu devrait suffire. Non, Rasmo doit rester moche. Hein? Quoi, un bigorneau qui lance des bananes? Croque-les! Ah, je veux pas mourir! C'est incroyable. Elles ont peur de moi, ton. Greg, qu'est-ce qu'il le monstre? En fait, elles sont entre kaki et bleu. Alors, mon prélèvement. Un petit poil par-ci, un petit poil par-là. Direction le labo et bientôt j'aurai le secret de la musculation éternelle. Ah.
Ah ! Ouh, il fait chaud ici. Je vais te mettre un peu d'air pour travailler. Et voilà, là il fait frais, non ? Rapido, arrête ça tout de suite ! Et grâce à mon système de boutons, il souffle mais il aspire. Oups, oh désolé, il est cassé, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Eh, hey, je m'en fiche, j'ai un appartement, elles sont super poilues, la chance. Alors, cette crème, qu'est-ce que t'en dis ? Faut pas hésiter à en mettre, hein, que ça pénètre bien jusqu'à la viande. Mmh. Miam ! Ah, épilation totale ! Oh, le rat ! Qu'est-ce qui se passe ? J'empêcherai ce croisement entre un rat et un poisson ! Rends-moi ma base à épiler tout de suite ! Ah, mes petites invités sont en danger ! Ça va, vous n'avez rien ? Il y a des rats ! Vous allez bien, mesdemoiselles ? Vous m'avez appelé ? Je ne vous paye pas pour rester au soleil à griller comme des saucisses. Ces saletés de rats vont nous faire démasquer. Si la grosse nous découvre, on finira à l'eau avant d'avoir pu la manger. On va la manger avant. T'as raison, on va pas attendre qu'elle soit bronzée. Rapido ! Ma face, rends-moi ma face ! Non, je peux pas, pour des raisons d'éthique. Dis pas n'importe quoi, tu sais même pas ce que ça veut dire, éthique. N'importe quoi, ça veut dire s'accroupir. N'importe quoi, ça veut dire par exemple, éthique se dit qu'une personne âgée... Ah, tu sais même pas, allez, va-t'en ! Mais rends-la-moi maintenant ! Banza ! Viens avec nous, on a encore plein d'autres produits à te montrer. Je suis trop contente de vous connaître. Oui, nous aussi. Allez les filles, juste un petit prélèvement capillaire. Elle m'empêche d'approcher des poils. C'est ridicule, t'as jamais aimé les poils avant. Des poils, je veux des poils. Oh, pas de soucis. Svet est là. Quoi? Ton oreille. Boucle cache-oreille, c'est hyper tendance. On dirait des vraies nageoires. Ben oui, je suis un poisson. Et toi, tu seras bientôt un vrai rôti. Un rôti? Parfait, elles ont attaché Svetlana. Je vais pouvoir dépoiler en toute tranquillité. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des monstres, elles veulent me manger! Si je mets ceci dans la centrifugeuse à l'aide de cela, le mélange donnera un cocktail qui me rendra enfin beau! C'est quand même bizarre des poissons avec des cheveux. Pourquoi elles ont ligoté Svetlana? Moi aussi je veux qu'on me ligote! Jeune personne, est-ce que ça vous dirait de faire un golf? Saleté de rats! Capitaine, ce sont pas des femmes mais des monstres! Hein? Des monstres? Béni! Vite! Il faut sauver cette lana! Un échantillon! Je comprends plus, tu cherches des lunettes ou des poils? Mais c'est pareil, t'y connais rien, toi, c'est incroyable! Hein? Encore un échantillon pour le labo et hop, et de 4 et de... Acapulco, c'est raté, mon âme quoi dîner. Lâche le hublot. Jamais. Et si on mettait les moteurs en marche? C'est parti. Oh, attendez, revenez, c'était pour rire. Oui. On est des clowns. C'est vraiment, vraiment bien ton coup de clown. Hé, viens voir! Mais c'est vide. Dis donc, Raz, ta potion, ça fait de l'effet à partir de combien de temps? Tiens, mais t'as bu mon jus de poil? Non. Ma queue! Ah.
Bon, il faut que je t'explique un truc. Tu vas passer par différentes phases de transformation. Non, 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 mais reviens ici. Reviens ici tout de suite. Alors, la première phase, elle est très sympa, c'est juste la queue. Mais... Rase, ma queue, c'est déjà trop. Faut que tu me soignes. Je veux ma queue d'avant. Rase. C'est juste après. Après, tu transformes en banane, ce qui est sympa aussi.